Allô, allô, moi c'est Michael Charles et moi content de rejoindre nous sous chez Mika BBF. Bienvenue parce que yo dit c'est comme ça pour moi deal. Bienvenue dans le deuxième épisode de la série sous féministe. Jeudi, on a parlé des caractéristiques du mouvement féministe. En tant qu'un mouvement qui a posé action dans différents états de combat, qui a fourni l'idée et réflexion sur la bonne façon dont la société a été organisée pour gagner respect droit, pour gagner même chance, pour gagner égalité sous toute forme pour tout le monde qui a vécu dans la société, ça, quel que soit le genre ou sinon le sexe. Nous, quand on dit féministe, c'est un mouvement global et puis complexe. Mouvement féministe là, global, parce que dans un mouvement, il pense à toute catégorie de monde avec tout ça qui caractérise non seulement comme monde, mais tout ça qui caractérise comme un élément qui fait partie yon ensemble. Et ensemble, ça, de ces sociétés. Mais, réflexion avec pensée, ça, yon n'est pas toujours fait en même temps. Et bien des fois, tout, yon prend un pile temps pour yon fait. Ça veut dire, les yon fin pense pour yon catégorie, gen un pile l'année qui compte passer avant yon pense avec yon l'autre catégorie. C'est ça que fait nous ka remarqué, les a parlé de féministes. Gen plusieurs périodes, gen plusieurs vagues. Une première vague, deuxième vague, et au même parler de troisième vague, yo parler de féministes contemporains, et la trier. Dans chaque période, ça yo, gen yon lit, yon combat différent qui t'a mené, et réflexion yo, te vin manye l'autre aspect tout. Mouvement féministe là complexe parce que tout le monde a réfléchi, il a pensé sur situation yo, la mené lit action a fait pour émancipation yo. Chaque monde aussi dans chaque catégorie monde ça yo, yo gen des préoccupations, yo gen des problèmes qui spécifiques à yo chaque. C'est ça qui fait tout gagner plusieurs courants féministes. Ça veut dire plusieurs groupes monde qui mettent tête ensemble pour mener différents états combat, pour faire différentes réflexions sur un groupe monde qui bien spécifique. Et ça arrive fait selon expérience mon yo, selon gens yo choisi engager dans combat, selon intérêt yo senti. Par exemple, gen black féministe, gen féministe intersectionnel, gen féministe matérialiste, gen féministe phénoménologique et la trier. Si nous avons considéré deux gros caractéristiques, là nous avons parlé de mouvement féministe, nous avons trouvé que c'est un galimatcha, c'est un kachouboumbe, c'est un poisson crasé dans le bouillon. C'est ça qui fait important, là nous avons parlé de situation femme pour nous préciser caractéristiques, en tout cas un groupe femme. L'important pour nous préciser caractéristiques groupe femme, ça, espace. Tantôt. Dans la première définition nous te bay pour féministe, te gagne trois mots clés. Yon nan trois mots clés sa yo, c'était politique. Nous te wè politique, c'était toute structuration, organisation, gouvernance qui gagne pour un projet, yon plan ou sinon yon espace. Et nous te wè politique li lié avec tout ça qui public. Si gen public, ça veut dire bien privé tout. Dans le troisième épisode de la série sur féministe, n'a pouwè comment féministe nan fourré tout koli dans tout yonge, tout lage, dans tout ça qui ni public ni privé.